Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale, de l'eau ferrovineuse. L'eau ferrovineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer, et le dire c'est bien, le fer c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrogineuse, oui. Et je suis fier, de faire à cheval sur le principe une conférence contre l'alcool. L'alcool, non, mais l'eau ferrogineuse, oui. Et pourquoi y a-t-il du fer dans l'alcool? Dans l'eau ferrogineuse? C'est parce que le fer a repassé. Non, pas le fer a repassé. L'eau, disais-je. C'est parce que l'eau a passé et repassé sur le fer. Et le fer a dissous. Il est dissolu, le fer. Et le fer à 10 sous, c'est pas cher, hein? Alors pourquoi boire cet alcool qui peut donner de l'eau ferrugineuse et ruine la santé et le portefeuille? L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. D'ailleurs, l'alcool brûle les tissus de l'organisme. Et vous le sentez quand vous en buvez, ça pique. Alors que le verre solitaire, pas le verre solitaire, le fer est salutaire. Il est salutaire, le fer. D'ailleurs, ne dit-on pas une santé de fer? Un homme de fer? Un chemin de fer? Un mammifère? Alors, suivez-moi, et comme disait mon grand-père, mon grand-père, il faut vivre, il faut pas s'en faire. L'alcool, non? Mais l'eau ferrogineuse, oui!